Comment dénuder un fil électrique? Viens avec moi, je te montre ça tout de suite. Alors c'est parti, on va dénuder le fil, on va utiliser un cutter. Non, je déconne, pareil que pour le câble. C'est vraiment les bricoleurs du dimanche qui utilisent ça, c'est dangereux, à ne surtout pas faire, on dégage. Oh merde. La meilleure façon de faire, c'est d'utiliser une pince à dénuder, manuelle ou automatique. Là, c'est une pince manuelle qu'on règle avec la petite vis ici. Ça règle en fait l'écartement au milieu là pour pas entailler le cuivre. Donc on y va, on serre, on tourne et on tire. Et voilà. Autre solution également, si vous n'avez pas de pince à dénuder, une pince coupante. Il y a des électriciens qui utilisent que ça sur le chantier. C'est pas l'idéal. Je vous conseille la pince à dénuder, mais ça fonctionne aussi. On entaille l'isolant doucement, tous les côtés, et on pousse avec le doigt. Et si tu veux en savoir plus, abonne-toi.